Je suis Alexandros Marquias. Je suis compositeur, pianiste, improvisateur. Je suis d'origine grecque, mais je vis en France depuis 30 ans. Et je suis compositeur dans ce qu'on appelle communément la musique contemporaine. Mais j'aime bien les rencontres, j'aime bien les collaboration avec des musiciens venant du monde des musiques traditionnelles ou des musiques improvisées et du jazz, qui sont des musiques qui me passionnent. Le titre de l'œuvre, c'est Broadway Boogie. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on est amis, on se connaît depuis très très longtemps avec Guillaume Bourgogne, le chef et directeur artistique de l'ensemble Opsit. Et alors, il voulait provoquer Guillaume Bourgogne, la rencontre des deux musiciens. Il a pensé à Magic Malik, flûtiste, improvisateur, compositeur, et à moi. Et l'idée, c'était pour moi de composer une pièce qui est à la fois écrite, mais qui laisse des espaces d'improvisation, des espaces de liberté aux musiciens, et particulièrement à Malik, qui est un grand improvisateur. J'ai pensé au tableau de Mondrian, qui sont des œuvres qui nous parlent du rythme, mais du rythme dans un sens beaucoup plus large que celui du découpage temporel. C'est le rythme des séquences, couleurs. C'est la périodicité comme ça qui nous habite. Et puis j'ai pensé à un compositeur américain, un compositeur très particulier, Conlon Nancarrow, qui était quelqu'un qui a composé toute sa vie des pièces pour piano mécanique, parce que ces pièces ont une difficulté rythmique telle qu'ils ne sont pas jouables par des humains, quoi, par des musiciens vivants. Et à la fois, Pietro Mondrian et Conlon Nancarrow se sont inspirés beaucoup de la mécanique du boogie. Alors j'ai essayé de cuisiner tout ça et j'ai fait ma propre musique autour de tout ça, qui à la fois a un caractère rétro. C'est vraiment le boogie des années 40 qui est revisité, mais de manière extrêmement contemporaine, rythmique, en superposant et en mélangeant des éléments qui sont presque contradictoires et en créant comme ça des tourbillons rythmiques qui, j'espère, plairont au public qui viendra écouter la pièce.